Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle du boîtier Deepcool CH510 Mesh Digital. Le CH510 Mesh, on le connaît déjà, on l'a déjà testé sur le site. C'est un boîtier clairement orienté Airflow qui se voulait plutôt accessible aux alentours des 75-80 € avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière, un panneau en verre trempé, une très belle construction, un très bon châssis et un seul ventilateur de 120 mm à l'arrière. Avec ce CH510 Mesh Digital, on reprend le même châssis, on reprend à peu près le même design, mais on ajoute dans la partie haute ici un petit panneau en verre trempé et derrière ce petit panneau en verre trempé, on retrouve un affichage LCD qui vous proposera de diffuser le logo de la marque, à savoir le D et le P de Deepcool. Et ensuite, on pourra afficher la température CPU ou la température GPU. Ça fonctionne avec un logiciel dédié qui provient de chez Deepcool, qu'on installe sur la machine. Et après, ça se lance tout seul au démarrage et ça vous affiche les températures. Au niveau du tarif, cette version CH510 Mesh Digital est proposée à 15 € de plus que la version classique. Mais on ne perd pas le système de mesh. On peut toujours mettre 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant, juste le ventilateur du haut sera un petit peu plus obstrué puisqu'on va avoir la partie LCD, mais ça, on reste sur du boîtier Airflow. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier mesure 455 mm de profondeur sur 230 mm de largeur, 470 mm de hauteur. Il fait 7,5 kg. Il est compatible micro ATX, ATX, ATX. On pourra mettre un maximum de 2 HDD plus 2 SSD. On a 7 slots d'extension. On trouve un ventilateur de 120 mm à l'arrière de base. On pourra mettre du ventilateur de CPU en 175 mm de hauteur, de la carte graphique en 380 mm. Et pour le water cooling, ce sera 280, 360 à l'avant, 280, 360 dans la partie haute. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne sur le style. Vous connaissiez le CH510. Vous connaissez donc le CH510 Digital. La grande différence se fait sur la face avant avec l'intégration ici d'une partie en verre trempé pour protéger un petit affichage LCD. Ensuite, on a un petit peu de finition piano sur les côtés. Mais après, on reste sur un boîtier qui est typé Airflow avec une grande grille en mèche à l'avant, la possibilité de mettre 320 mm derrière ou 240 mm. Et bien sûr, le tout est toujours démontable très facilement avec un nouveau mesh plastique, toujours à base de petits trous carrés comme la partie arrière et cette fameuse grille qui est compatible aussi avec les radiateurs de water cooling en 280 360 mm. Concernant l'afficheur LCD, on y reviendra un petit peu plus tard avec une démo de ce dernier. On passe pour le moment sur le côté gauche avec un panneau en verre trempé dont les pourtours sont peints. Le tout est aimanté dans la partie haute, ce qui veut dire que c'est très facile à ouvrir. Le panneau n'est pas teinté, on verra donc bien l'intérieur du boîtier. Dans la partie basse, on retrouve des pieds en plastique qui reprennent la même matière que la face avant. Sur le côté droit, on va trouver un panneau
en acier qui est maintenu avec deux vis à main. Dans la partie basse ici, on trouve une grille à base de carrés. Sachez que cette dernière est filtrée via un mesh plastique. On enchaîne sur le dessus du boîtier avec un mesh avec des pourtours plus larges. On retrouve la forme de petits carrés, c'est aimanté. En dessous, on a une grande grille, encore avec des carrés, en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On retrouve un petit logo Deep Cool ici. Ensuite, on va voir le Power On, le Type C, une entrée-sortie audio, un USB 3.0, un reset et la diode d'activité blanche. Sans plus attendre, on enchaîne sur la partie arrière avec une grille à base de carré avec un ventilateur de 120 mm, un réglage de la hauteur sur 3 cm. On pourra également mettre du 140 mm. Ensuite, on a l'emplacement de la plaque KeyShield de la carte mère. On trouve 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées sur un cadre frameless, montage par vis classique. Ensuite, on a de nouveau une grille avec des petits carrés. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation filtré par en dessous avec des petits patins en mousse. On apprécie aussi les petites finitions du type les 3 petits carrés ici et là qui viennent donner une belle harmonie à l'ensemble. On termine sous le boîtier avec les pieds en plastique qui sont recouverts d'une bande en mousse. On a ici le filtre amovible à base de petits carrés qui est en mèche plastique. Enfin, ici et là, on a les vis qui permettront de démonter la cage HDD pour l'avancer ou alors totalement la retirer. On passe à l'intérieur de ce boîtier CH510 par Deepcool. On va avoir au centre un très large accès à backplate. Ensuite, on va trouver 3 passages dans la partie haute, 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. On va ensuite avoir un card holder qu'on pourra déplacer plus en arrière si nécessaire avec une très grande carte graphique. On va avoir un cache alimentation avec 2 emplacements en 120 mm, une grille d'aération, 2 passages dans le fond et un passage à l'avant en cas d'utilisation de gros radiateurs de water cooling. On passe justement à l'avant. À l'avant, c'est filtré via un mesh plastique, on l'a vu tout à l'heure. On va retrouver une grille compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ce sera 280-360 mm maximum. On continue maintenant à l'arrière avec un ventilateur de 120 mm de la marque avec un connecteur 3 pins. On va ensuite en voir l'emplacement pour la plaque KeyShield de la carte mère. On va trouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless, montage par vis classique. Et on va avoir une petite grille d'alimentation. Vous le remarquez, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on a toujours des formes de petits carrés, que ce soit sur le mesh, à l'avant, sur le mesh au-dessus ou sur toutes les grilles du boîtier, ce qui fait qu'on a une très belle harmonie sur l'ensemble de ce CH510 digital. En fait, on retrouve la même harmonie qu'on avait déjà sur le CH500 classique. On termine pour ce côté dans la partie haute avec une grille en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, qui est également compatible radiateur de water cooling en 280-380 mm. On passe maintenant à l'arrière. On retrouve les 3 passages dans la partie haute, l'accès backplate, 2 emplacements pour des SSD avec un montage par tige sur rondelle en caoutchouc. Ici, on a les 2 grands passages avec des caches en caoutchouc et des systèmes de passe-câble, ce qui veut dire qu'on pourra tout serrer dans les goulottes. D'ailleurs, on a plein de systèmes pour pouvoir mettre des colliers absolument partout dans ce boîtier. Ici, on a les 2 vis à main pour le card holder. Le card holder, on pourra l'avancer si nécessaire. Dans la partie basse, on retrouve la cage HDD. Elle pourra accueillir 2 disques durs ou un disque dur, un SSD. Le tout se démonte, c'est amovible si on a besoin de plus de place pour le radiateur de water cooling ou alors si on veut retirer la cage HDD. Enfin, dans la partie basse ici, on a l'emplacement de l'alimentation, encore avec une grille à base de carrés et avec des petits patins en mousse. Découvrons maintenant notre boîtier CH510 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre. En même temps, on connaît déjà le châssis, hein. On est sur le CH510 qui est juste en version digitale, donc avec l'écran LCD en haut de la façade. Donc pour le reste, c'est du très bon. On voit qu'on est sur un montage ultra propre. On a des passages partout et on a des caches en caoutchouc sur les gros
passages centraux, ce qui fait qu'on va avoir vraiment un montage qui va être très propre avec très peu de choses qui traînent. On a des passages également dans la partie haute, hein, que ce soit sur le côté gauche ou même un peu à droite si on avait des ventilateurs additionnels. Et si on veut mettre du plus costaud, genre avec du water cooling, ici c'est ouvert et on pourra même, si on le veut, mettre des ventilateurs au-dessus du cache alimentation. Et vous allez le voir, à l'arrière du plateau de la carte mère, c'est tout aussi propre. En effet, outre les passages dans la partie haute, les deux passages au centre, l'espace assez conséquent dans la partie basse, on a des tonnes de dispositifs pour mettre des colliers, donc partout autour du socket. Ici, sur les dispositifs centraux avec les caches, ce qui fait qu'on peut presque les utiliser comme des sortes de gouttières. Et ça permet d'avoir vraiment un résultat qui est très très propre, comme vous pouvez le voir. Ici, on va avoir les deux vis à main qui vont permettre de régler le card holder pour pouvoir soutenir la carte graphique. Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose, parce que avec certaines cartes graphiques qui sont hyper lourdes, méga épaisses, ça peut un peu compliquer la chose. Enfin, dans la partie basse, nous, on a installé un SSD via le système, hyper pratique, hein. On met des tiges en acier, on vient clipser le SSD dans les rondelles en caoutchouc, ça tient, c'est fini. Sachez que vous aurez aussi une cage HDD de deux emplacements, montage par vis pour la cage HDD. Si vous n'avez pas besoin de la cage, vous pourrez tout simplement la retirer. Pour l'afficheur LCD, vous avez un petit logiciel livré par Deepcool qui vous permettra tout simplement de faire quelques modifications. On pourra afficher la température en Celsius ou en Fahrenheit. Vous voyez, ça vient de s'afficher à l'écran. On va repasser bien sûr de notre côté en Celsius. Ensuite, on pourra afficher la température CPU ou la température GPU, tout simplement comme ceci, en cliquant. Vous avez différents carrés. Plus vous allez monter en température, plus il va y avoir de carrés affichés. Enfin, vous pourrez modifier la langue, vous pourrez redémarrer l'écran. En fait, vous ne pourrez pas non plus faire 10 millions de milliards de choses. On repasse sur la température CPU, hop, zoup, c'est fait. Il n'empêche que, comme on le disait, c'est un gadget qui ne sert absolument à rien, qui est donc totalement indispensable. On termine ce tour du CH510 digital avec la machine allumée. On n'a pas de RGB, donc clairement on n'aura pas grand chose à voir. Vous pourrez juste admirer l'intérieur de votre PC via le panneau en vert trempé. Bien sûr, vous aurez l'affichage digital ici, mais si ce dernier est en veille, comme c'est le cas actuellement, puisqu'on n'est pas vraiment sous Windows, hein, la machine elle est juste allumée pour la démonstration, et bien en fait on n'a pas d'affichage, mais ne vous inquiétez pas, on va reparler de cet affichage dans quelques instants. Un affichage qui est, allez, on le dit, hein, complètement gadget, donc totalement indispensable.